Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et bien de retour sur YouTube après au moins 8 mois d'absence. Et oui, c'était long, je sais, c'était bien long. Donc bah là, je suis avec deux copines, donc Didine, Sandrine de la chaîne YouTube Positive Attitude, et une de ses collègues pêcheuses, Lolita. Et nous sommes à la cale de Camouette, hein, c'est ça ? Camouel, on a, je vais vous montrer juste après, ou là, tout de suite, là, on est juste après le barrage d'Arzal. Donc c'est l'estuaire de la Vilaine et on compte bien pêcher plein de poissons. On a été au vert là tout à l'heure, on en a ramassé plein, donc ça devrait le faire. Et on va vous montrer tout ça tout de suite. Allez, générique! Ciao! Vous vous demandez, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fout là? Alors, je vous explique, on était en vacances avec les filles que vous avez vues dans le générique juste avant. Et dans le générique, il y a également le chat. Et nous étions sur l'air de Surzur. Et le problème, c'est que le chat a fugué. Donc, j'ai fait un aller-retour à Nantes. Et puis bah là, c'est petite pause pêche, parce que j'aime bien aussi ça. Hein. Et puis donc bah, j'ai appelé Sandrine, je sais que c'est ton spot de pêche ici. Hein. Voilà, c'est chez elle. Donc, je filme. Hein. Ça fait 20 ans quand même que tu viens là, d'accord. Bah attends, je vais t'interviewer après. Et du coup, vu que je savais qu'il y avait un spot de pêche ici, je me suis dit, bon bah allez, de toute façon, le chat... Il va rester 3 jours dehors, donc la suite des événements, hein, voilà. Pour le moment c'est pêche, et après ça sera à la recherche du chat perdu. Alors, à
raconte-nous un petit peu, ça fait combien de temps que tu viens pêcher ici? T'es un peu la ici, pro du coin, quoi. Ouais, ouais. Moi, je me considère comme une... comme une pro du coin, ouais. Du coin, hein, parce que la pêche, il y a encore du boulot. Ouais. Ah bon? Mais oui, ça fait 20 ans à peu près, j'ai calculé. Mon gars était pas né que je venais là. Ouais. Ouais, 19-20 ans. Et pourquoi ici? C'est t'aimes bien ce coin-là? J'aime bien parce que déjà, c'est à ras de l'eau. C'est accessible avec les voitures. Et puis, c'est calme. Hein. Et il y a toujours du mouvement, les bateaux, les gens, les pêcheurs. Les cygnes qu'on a vus juste avant, là. Les cygnes, les envols de cygnes. Qu'on va voir juste après, peut-être, avec le drone. Et puis c'est calme, et puis voilà, c'est... Et comment t'as découvert cet endroit? On m'a emmené. Des pêcheurs, grâce à des pêcheurs. D'accord. Qui m'ont emmené là, et puis après, j'ai flashé, j'ai eu le coup de foudre pour la cale de la Vieille Roche. Et tu vas pêcher en bateau, des fois, ou pas? Non. Pas du tout? Non, des fois, avec mon petit canoë, je vais au leurre. Ouais. Mais bon, voilà, histoire de s'amuser, hein, parce que je suis pas... Tu connais bien le coin, hein. Oui, t'es un peu du coin, non? Oui, je suis de Pénétin, oui. Toi, t'as grandi à Pénétin? Non, je suis nantaise. T'es nantaise? Nantaise, mais je connais bien le coin. Ouais, tu passais toutes tes vacances à Pénétin. Oui, puis on est souvent à la pêche ici. Ah bah voilà, ok. Ah, oui. Bon, très bien. C'est pas très loin de Nantes. Non, c'est juste à côté. Et à ton avis, ça va marcher ou pas? Ce soir? Ouais. Je suis sceptique parce qu'il y a une invasion de crabes en ce moment qui bouffe tous les vers. Ah. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, comme la marée est haute à 21h30, on a peut-être des chances. Bon, on va voir ça, on va filmer tout ça. Mais sympa, ça va être sympa. Voilà, si vous regardez cette vidéo, je sais pas, enfin laissez un commentaire. Hein. Allez, bonjour à Phil et Fab. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en contact. Vous êtes peut-être dans le coin, à l'île de Ré, là, je sais pas. Moi, je regarde plus trop les vidéos de personnes, donc... Mais bon, vous avez le bonjour. Allez, vise. Ok, donc toi, Lolita, tu viens souvent pêcher? Ah bah ici, tout le temps, oui, tout le temps avec Didier. Ouais, ça fait longtemps que tu pêches? Non, pas du tout. Non. Ça fait... Débutante. Débutante, oui. Ça fait combien de temps? Enfin, 3, 4, 5, 10 fois? Ah non, pour l'instant, c'était juste des essais, et là, j'ai acheté ma première canne. Ce matin? Oui. Ah ouais, donc on inaugure ta canne. Voilà. Super. Et sinon, toi aussi, tu es un peu du coin, quoi. Enfin, tu viens d'où? De près de Nantes, du vignoble. Du vignoble? Oui, du Landreau. Du Landreau, on est voisins alors. Moi, je suis de Monnières, j'habite Monnières. Je suis de Nantes, mais toi, tu es carrément natif du Landreau. Du Landreau, oui, natif du Landreau. Ah, c'est pour ça que tu aimes bien le muscadet. Non, je plaisante. Et du Landreau, d'accord. Ouais, c'est vraiment au cœur du fief, quoi. Hein. Oui. Bon, il y a un peu d'agriculture aussi au Landreau. Oui, un peu, ouais. Et ils faisaient quoi tes parents? Mon père maçon et ma mère, mère au foyer. Ah, ok. Ouais, parce que j'ai entendu dire que tu avais plein de frères et sœurs. Oui, on est 12. 12 frères et sœurs? Ah ouais, c'est vraiment famille nombreuse, quoi. Oui, oui. Ah, il n'y en a plus beaucoup. Et t'as quel âge? Enfin, si c'est pas indiscret. Là, je vais avoir 38 ans. Tu vas avoir 38. Pour cette génération. Et tes parents, ils ont quel âge? Mes parents sont plus là, mais... Ils sont plus là, ils auraient quel âge? 80 Presque 70, oui. 70 ans. C'est beau, hein. Je connais qu'une famille d'un pote, Florian, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Et eux, ils sont 11 enfants. Ah oui, ça fait beaucoup aussi. C'est beaucoup, hein. Pour les vacances, ils avaient une grosse maison, tes parents? Oui, ils avaient une maison, oui. Mais avec plein de chambres, j'imagine, où vous dormiez? Ah non, il n'y avait que 3 chambres, les parents, les gars et les filles. Ah ouais, d'accord. Donc vous étiez combien par piole? Par piole, nous les filles, on était plus nombreuses, hein, parce qu'on est plus nombreuses que les gars. Ah, ok. J'ai 4 frères sur les 8 filles. Ah ouais, 8 filles et 4 frères, ok. Mais les aînés étaient déjà partis. Forcément, les générations se suivent et tout. Bon, c'est cool, merci, merci de t'être présenté. Et tu penses que tu vas pêcher quoi là ce soir? Bien, des bars J'aimerais bien quand même. Oui. Ouais, pour se faire une bonne grillade demain. J'aimerais bien, ouais. Et en ce moment là, pourquoi t'es dans le coin? Je travaille sur Pénétin. Ah, ok, c'est pour ça. D'accord. Bon, chouette, on se retrouve tout à l'heure, hein, pour la remontée des poissons. D'accord. 2, 3. La marée noire. Hein.
Et bah oui, ah, il est marrant. Hein. Il est marrant. Un éperlan. Bah, si, t'avais une touche, je suis sûr que... Un éperlan. Un éperlan. Eh ben c'est bien, comme ça, tu vas pouvoir pêcher au vif. Allez, je me le mets. C'est un bébé bar. Tu crois? Ouais, faut... Jette. Oui, oui. Pourtant, il a des petits pois partout. Non, mais vas-y, remets-le à l'eau. Je sais pas ce que c'est, mais remets. Voilà, no kill. Bon, il est 20h20. On a commencé il y a combien de temps? Il y a une heure. Un peu plus d'une heure. Voilà, bah, Sandrine a pêché un tout petit poisson, là, un mini bar, un bébé bar, qui faisait pas la maille. Et puis, bah, sinon, on attend. Ah, attends, j'ai peut-être une touche. Eh non. Bon, c'est pas grave, on y croit encore.